Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Tonton, comment? Moi, je m'appelle Léon. Tonton, Jonathan, lui, c'est Tonton Léon. Et Tonton Léon. Ouais. Ça va, ça roule bien ici? Ouais, ça va bien. Très, très bien. Très, très bien. Oh, vous me parlez aussi les Lingala? Non, un tout petit peu, je connais que. Tonton Jonathan, comment ici la ville? Ah, la ville est très calme. Elle est très calme, malgré les catastrophes qui viennent de se passer là. La situation semble devenir très normale parce qu'on a fait presque une semaine, on n'arrivait pas à faire des courses comme il faut. Il y avait des routes qui étaient barricadées, mais maintenant c'est ouvert. On arrive quand même à circuler tranquillement. Et... sauf qu'on a un peu peur parce que demain, c'est le 23, il y a encore une autre pluie qui est déjà annoncée en avance qu'on devait attendre. On ne sait pas quel genre qui sera. Ça sera toujours la même chose ou ça sera encore plus grave ou ça serait un peu normal comme d'habitude. On attend. On a déjà annoncé ça. Le 23, c'est déjà assez pour demain. Il y a une pluie qui va encore tomber. Donc là, on attend toujours. Que Dieu fasse grâce. Hein. Ouais. Mais j'espère que nous, ça ira bien. Ouais, tout va bien. On reste toujours positif. Ah ouais, il faut toujours être positif. C'est, avec tout ce qui peut arriver, il y aura toujours la solution. Voilà. Je pense qu'il y a 3 jours, c'était impossible de passer sur cette route. Mais maintenant, là, on passe tranquillement, il y a la circulation, il y a tout le monde qui circule normal. La circulation. Donc, une semaine, il n'y avait pas les activités. Non, il n'y avait pas des activités comme il faut. C'est-à-dire quoi? Parce qu'il y a eu des inondations dans des malls, dans les aéroports, dans des warehouses. Il y a des routes qui étaient devenues pratiquement impraticables de circuler avec ça maintenant. Il y a des vols, il y a des compagnies aériennes qui ont commencé les vols aujourd'hui, depuis qu'il y a eu la pluie, parce qu'il n'y avait pas moyen, il y avait des... Donc, la pluie a quand même perturbé beaucoup de choses. Mais c'est pendant combien de temps que la pluie est tombée ici? Bon, normalement, les 2 dernières années ici, on a eu pas mal de pluie. Pas de pluie comme ceux qui viennent de se battre dernièrement ici. Oui. Ça remonte des 75 ans. 75 ans. Oui, après 75 ans que ce genre de pluie s'est reproduit encore ici à Dubaï. Ah, ok. Mais on peut dire quelque part, c'est bon ou comment? Bon, c'est bon, c'est pas bon. Je peux dire que c'est pas bon. Ok. Nous sommes habitués avec des petites pluies, il pleut vite, il pleut normalement, mais genre des tempêtes, il y a des ouragans, soit il y a de fortes pluies qui prennent. Beaucoup de airs, nous ne sommes pas habitués à ça. Et il y a des impacts sur les businessmen. Il y a des impacts dans les malls, il y a dans les boutiques, dans les activités. Il y a des gens qui ont perdu leurs biens. Parce qu'ici, c'est pas comme en Europe, c'est pas comme en Amérique. Tout le monde ne prend pas l'assurance comme il faut. Chacun prend l'assurance pour ce qu'il arrange. Il y a des gens qui n'ont pas l'assurance sur les floating. Il y a d'autres qui n'ont pas l'assurance, il y a d'autres dont tu vois, quand tu n'as pas l'assurance, c'est quand il y a un événement qui s'est produit naturellement et que tu perds tes histoires, tu sais où aller pour aller déclarer tes histoires. Et du coup, tu subis
et tu fais la perte. C'est comme ça, c'est qui a un peu mal avec les autres. Il y a des gens qui ont perdu leur voiture, et des voitures électriques. Genre, s'il y a de l'eau qui entre à l'intérieur, tu ne peux plus récupérer. Il y a des gens qui ont abîmé. Perdu ça, tout est abîmé. Et puis, il y a des gens qui ont perdu des biens matériels. Des biens matériels, oui. Il faut savoir, ici, il y a la politique d'ici, c'est comme la Chine. Mm-hmm. Même s'il y a des pertes humaines, on ne peut pas vous montrer ça, on ne peut pas vous étaler ça. Okay, on dira juste qu'il n'y a rien, il y a juste des histoires qui sont... Mais avec cette douille, on sous-entend il y a des pertes, des vies humaines. Parce que si vous partez dans d'autres états comme des charges, il y a même des routes. Il y a des routes qui ont été détruites à cause de cette douille. Okay. Sans compter d'autres états. Donc, toutes les Émirats ont été touchés par cette douille. Que Dieu nous aide, mais ce que j'ai mis sur nous les Congolais, sur la communauté congolaise, il n'y a rien d'inquiétant, rien de grave et tout est là, tout est en ordre. Voilà. Je dis que là, qu'est-ce qu'on peut retenir déjà sur la fête Dubaï, parce que tout le monde en parle, les gens nous appellent, c'est comment là-bas, c'est comment. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut retenir déjà? Parce que chaque jour on reçoit des appels. Okay. Comment vous allez là-bas? Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde va bien? Moi, d'abord, ça me fait droit au cœur. J'apprécie. Je vois vraiment qu'il y a des gens qui pensent à nous. Il y a des gens qui nous considèrent. Ils veulent savoir la situation sur nous. Voilà. Et ce que je peux dire, que c'est déjà quelque chose de bien. C'est déjà quelque chose de bien. Mmh. Et que les gens puissent penser à vous. Exactement. Mmh. Exactement. Exactement. Ça montre qu'il y a l'amour, il y a la considération, même si nous sommes loin. Mmh. Mais quand même, il y a des gens qui pensent à vous. Et là, nous retenons que Dubaï est dans le bon jusque-là. Oui, Dubaï est dans le bon. Mmh. Dubaï a toujours été dans le bon. Quelles que soient les catastrophes, quelles que soient les problèmes qui peuvent arriver, voilà. Il faut retenir ça avec Dubaï. Mmh. Dubaï, quelque chose ne peut pas durer pendant un mois ou deux semaines. Mmh. Ce que j'aime avec eux, ils sont prêts à prendre des précautions et des solutions pour éviter toutes les catastrophes. Okay. Que ce soit terrorisme, que ce soit catastrophe naturelle, ils sont là, ils sont prêts pour évacuer et trouver la solution à l'immédiat. Voilà. Donc c'est ça les bons côtés avec les... Même si je sais avec ces genres de pluies, ça leur prendra un peu beaucoup de temps parce que vous savez comment ils ont construit leur ville. Ils savent qu'ici, il pleut rarement et ils n'ont pas assez vraiment des canalisations d'eau énormes pour évacuer d'eau. C'est ça qui a causé problème. Mm-hmm. Mais je pense qu'avec l'avenir et avec les temps, ils vont chercher comment faire cette histoire. Mm-hmm. Mais en urgence, ils ont quand même pu ce qu'ils peuvent faire pour le moment. Je crois que tout va bien. Tout voilà, va bien. Donc on va arranger pour ne pas encore retourner dans cette situation. Exactement, exactement. Mais hein, ça va encore demander plus de temps parce qu'ils ont construit déjà la ville. Vous voyez comme la ville est bien construite. Voilà. Donc il faut encore beaucoup de temps pour arranger. Changer de choses ou créer encore de canalisations d'eau pour évacuer de ce genre d'eau ouais, qui arrive dans le pluie. En tant que Congolais, quand vous voyez la ville de Dubaï, qu'est-ce que tu penses déjà directement pour notre pays? En tout cas, en tant que Congolais, j'ai un peu pitié, ça me fait mal au cœur. Okay. Je vois comment nous aimons pas notre pays, que ce soit les autorités, que ce soit nous, la population. Mm-hmm. Je vois comment nous sommes vraiment cruels avec tout ce que nous faisons. Parce qu'il y a ici, avec les habitants de Dubaï, et ils disent que l'impossible n'est pas inscrit dans leur vocabulaire. Voilà. Voilà. Dans leur vocabulaire, mot impossible n'existe pas. Parce que tout est possible. Mm-hmm. Et ce que moi j'ai compris, ça aussi, c'est si nous aussi, dans notre pays, on dit que les mots impossibles, ça n'existe pas dans notre vocabulaire, on peut faire. Parce que c'est possible de faire le Congo comme ça. C'est possible. Mm-hmm. C'est fort et possible. C'est fort et possible. Par rapport à tout ce que nous avons comme minerai, comme d'autres richesses déjà, sous-sol. Retenez qu'on a tout sauf rien. On a tout. Et ça manque nous avons tout et des choses les plus meilleures qu'ici. Notre sol est riche. Mm-hmm.
il est favorable dans tout type de construction. Notre sous-sol est riche. Nous avons des sources financières très très énormes, plus que eux. Alors je ne vois pas pourquoi je peux me limiter de dire que notre pays ne peut pas faire ce que... Ce qu'il faut maintenant, peut-être, ce sont les dirigeants, les gens qui nous dirigent, qui puissent avoir un bon cœur, qui puissent avoir la volonté de faire quelque chose. Je pense que ça, c'est bien. Ok, il faut juste avoir la volonté. Ah ouais, la volonté. Donc tout est là déjà et donc... On a tout sauf la volonté. Voilà. Et puis il y a aussi un dicton d'ici. Ils disent. C'est quoi ça? À part de quoi? Il dit. Les talents sans le courage, c'est une gâchis. Vous avez le talent, mais vous n'avez pas le courage. C'est un gâchis. Donc vous gâchiez tous les talents que vous avez, tous les talents que Dieu vous a donnés. Dieu va le récupérer. Dieu va le récupérer. C'est comme ça avec nous. Nous avons les talents. Quels sont les talents? Nous avons les potentiels, nous avons tout, mais nous n'avons pas le courage, nous n'avons pas la volonté. Voilà pourquoi nous souffrons. Voilà, merci beaucoup, tonton. Je vous en prie. Nous sommes là en plein Dubaï. Nous évoluons petit à petit, lentement et sûrement. Et ça fait du bien de savoir que vous êtes là nombreux, hein, devant vos postes télévisés et surtout que vous nous suivez avec attention soutenue. Je vous ai promis, on va faire un tour de l'autre côté. Voilà, on est là. Et il y a quand même du monde qui m'a appelé pour demander comment est-ce que ça se passe de l'autre côté avec les inondations. Et je vous rassure que la ville est calme, malgré que tonton vient de nous dire encore qu'on a déjà annoncé la pluie pour le 23, donc demain déjà. Mais j'espère que nous sommes et vous allez bien et vous allez toujours sécurisés par la main de l'Éternel. On va faire la continuité de l'autre côté du Deira. Je ne connais pas vraiment le pays, mais j'espère que avec nos frères d'ici, on va nous orienter de voir tout ce qui nous attendons de loin et observer encore présentement Nedo Salamo Siko. Merci beaucoup d'être là, partager, aimer, liker et commenter notre vidéo déjà chez BioNews à télévision, la télé autrement. Merci. Ok. Nous sommes en train de nous là.
Like this. My good papa. Ouais. Kinshasa. 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 My good papa. Ouais. Come in Dubai. Ouais. Good morning, ami. Good morning. Good morning. Good person. Good people. Good TikTok all. Kinshasa de ouf. Kinshasa. Good Kinshasa. Okay. Yes. You're single? A single movie. How much? It's 100 dirhams, it's 40 dirhams. Okay. And do you have the mobile hanging? Car? Mobile catcher. Mobile catcher, car or bed? Or bed. Like this. Good car. Voilà, je suis de retour à la maison et j'ai avec une dame, elle est là très jolie, donc elle a accepté de me ramener chez moi, donc voilà, très très gentille, hein. Donc on est là toujours, c'est bien passé la journée, maintenant nous sommes en route, juste la dame elle est tellement gentille, elle a accepté de m'accompagner à la maison. Donc voilà. C'est bon ou bien des retours, nous sommes de retour à la maison, à la PAC, donc voilà, fatigué, hein. Ouais. Hello, fatigué. Bien arrivé chez moi. C'est la fin de la journée. Nous sommes de retour chez nous, à la maison. Vous avez compris, journée charge, je vous dis. Et heureusement que le matin, j'ai bien mangé.
J'aime bien manger mon gombo. Le gombo avec la chikwang. Et c'était bien. Bien bloqué. Et je suis arrivé de l'autre côté. Chez maman Chimène. Nali à la Cornouaise, donc trop fort. Nali Ndunda et Nali Nassimoul. Bon, malheureusement que j'étais déjà bien chargé. Mais c'était bien. C'était bien dans l'ensemble. Et dans mon retour, il y a une dame, Niandime Kokumbanga, dans l'appartement. On a bien parlé. Et c'était bien. C'était bien. Voilà. On était là, on a eu quand même le temps et au Tambola, total, Italie, le centre-ville, comment est-ce qu'on voit ça? Parce que là où moi je suis, ils ont venu un peu ma carte à s'entraîner, ils ont voulu ma résidence, donc voilà, qui m'est en moi trop content. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé, dans les bons, dans les calmes, j'ai fait grâce, voilà. J'ai dit un grand merci à tout le monde, un grand merci à Nabandevano, merci beaucoup d'être là et merci de partager notre vidéo de hein, et ça va moins bien. Voilà, merci beaucoup. L'affaire continue, nous sommes là. Donc demain aussi on va encore bouger. On a joué une invitation encore. Donc Kubi m'a rappelé bien, sérieux. Le nom Bimi na Deira, na mon ba congolais, na mon ba bazo benga yada. Donc il s'est vraiment bien et du coup na jupe bah, invitation à Bande Komoussous, donc on va se voir de l'autre côté à Deira. Il y a Deira pour continuer notre séjour à Orankatia Dubaï. Donc voilà, on a eu le temps de passer des bons moments avec mon frère Jojo, je m'entends. Et voilà, il a ici bisou que l'obi moule ou bête à l'issue. Nous avons battu la bisou et tout ça dans le bocao, tata tes mamans, t'es. Mais nous avons que notre Dieu, ce qui est important. Donc papa t'es, maman t'es, yaya t'es, mais nous avons Dieu. On tout à l'équipe, n'a papa, n'a maman, n'a rien dans l'ambiance. Donc on est assuré, comme dit maman pasteur Esther Ngalassi. Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. Bon dodo, n'abatou banibalali, banibalala, et bon appétit, n'abatou banibalia, et bonjour, n'abatou etango etani, bonsoir, n'abatou soirée, n'abatou voilà, et bonne nuit, n'abatou déjà, bah, que dola, la maman, la papa, et bon sommeil, n'abatou, babinzem, babara, bahomo. Bon, c'est moi, vous n'êtes pas méchant qui est d'amour, mon zemba. Là, là, yomo. Là, il est sous mon zemba, la guincha, ça. Ça m'a taillé faux du mon zemba. Là, là, yomo. Qui encore donc, t'as fait là, là, yomo. Non, il y a là, là, maman, Emerald, maman, la bébé. Mayel, là, là, là. Là, la fille. Merci beaucoup. Donc, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Et tous ensemble pour un seul beat. Voilà, bye bye. Vous êtes sur Bio News. Télévision, la télévision autrement.